Nordal-Lelandais sera jugé à partir du 31 janvier dans le cadre de l'affaire Maëlys. Le jeune homme a été mis en examen pour séquestration et meurtre. Il a reconnu avoir tué la jeune fille tout en affirmant un acte involontaire. Le père de la fillette prend la parole dans les pages du Parisien. Si esti un procès explosif qui va s'ouvrir le 31 janvier devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble, celui de Nordal-Lelandais. Cet homme de 38 ans est accusé de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys de Araújo, en 2017, pendant un mariage. En 2018, après la découverte d'une trace de sang de la jeune fille dans sa voiture, il était passé aux aveux mais en maintenant que la mort était accidentelle. Le père de la victime est aujourd'hui un homme brisé. Longuement interrogé par le journal Le Parisien, Joachim de Araújo a accepté d'évoquer sa vie actuelle, qui a été chamboulée par la mort de sa fille. J'ai tout perdu en quelques secondes. On était une famille heureuse, avec des enfants magnifiques. Et ma vie a explosé. Avec mon épouse Jennifer, on a divorcé. Lorsqu'on est dans une ambiance où tous les bons souvenirs se transforment en tristesse, en malheur, si est-il compliqué. On veut se détacher de tout ça, penser à autre chose. Si est-il sans doute ce qui explique notre séparation, a-t-il ainsi confié. Le père éploré, qui dit ne rien attendre de ce meurtrier, ce tueur d'enfants, ce pédophile dont il souligne les mensonges et les manipulations, est également désormais sans emploi. J'ai aussi perdu mon travail. Je ne sais plus à quoi me raccrocher. Toute ma vie a volé en éclats. Je sais que cette souffrance restera toujours présente, ajoute-t-il sous le coup de l'émotion. Mais qu'attend Joachim de Araújo de ce procès? Très clairement, il veut que Nordal-Lelandais, défendu par Maître Alain Jakubowicz, ne ressorte jamais de prison, par crainte qu'il puisse s'en prendre un jour à d'autres enfants ou adultes. Mais pas question de lui accorder trop d'importance pour autant. Lors du procès, il faut que toute l'attention soit sur Maëlys. Pas sur ce personnage immonde, sans cœur et sans âme. Je serai là pour honorer la mémoire de Maëlys. Je veux être digne de ma fille. Et rester fort pour elle. Après, ce que le Landais peut dire, je mène contre fou. Je le répète, je n'attends rien de lui. Pour moi, le plus important si est-il ma fille. Je sais qu'elle m'entend, dit-il. Pour rappel, Nordal-Lelandais était aussi jugé en parallèle pour le meurtre d'Arthur Noyer. The